Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro, ce nouveau bulletin d'idées pour l'histoire, le numéro 7. Alors je vous préviens, l'automne a déjà fait son effet sur ma pauvre personne en ce qui concerne ma santé, donc je suis un petit peu pris du nez et de la gorge, donc ne m'en veuillez pas si je m'accompagne d'un café chaud pour que ma voix puisse tenir jusqu'au bout. Et puis surtout, ne vous étonnez pas par rapport à la luminosité ou ce genre de choses. Je suis soumis à des travaux depuis presque 15 jours dans la proximité de mon domicile et donc je suis obligé d'enregistrer tôt le matin ou en fin d'après-midi, début de soirée, pour éviter que vous soyez perturbés par les différents bruits des chantiers qui sont à côté de moi. Voilà, donc je m'excuse pour ces petites considérations qui sont bien loin de celles qui vous amènent ici. Alors je voulais commencer par ce petit préambule de situation, mais je voulais aussi donc commencer par vous remercier pour l'accueil de la vidéo précédente, pour le nombre d'abonnés qui continue d'augmenter et qui va bientôt atteindre et dépasser, je l'espère, les 900 abonnés, hein. C'est une belle marge de progression depuis maintenant presque 2 mois et demi que nous avons démarré cette petite série. Je voulais également remercier donc ceux qui ont décidé de mettre la main au porte-monnaie, comme on dit, pour me soutenir. Comme prévu, donc vous allez recevoir, ou vous avez déjà reçu, hein, les envois sont pas forcément tous groupés, le PDF sur la bataille d'Hamburger Hill que j'ai compilé cette semaine à partir des travaux que j'avais publiés sur le blog Idées pour l'Histoire il y a maintenant déjà presque 5 ans, si ma mémoire est bonne, oui, 5, 4 ou 5 ans. Hein, donc c'est un bel article approfondi qui fait, je pense, alors je suis un historien, je ne suis pas un spécialiste de la mise en page, donc j'ai fait avec mes moyens du bord. Je suis bien sûr à l'écoute de toutes les remarques que vous pourrez formuler pour l'améliorer, mais on a donc à peu près 20 pages de texte autour de cette bataille, avec donc des illustrations pour vous permettre de vous plonger un peu plus dans l'atmosphère de cette terrible bataille qui a été immortalisée au cinéma dans les années 80-90, si ma mémoire est bonne, sous le titre de Hamburger Hill, tout simplement, et qui montre un peu l'absurdité, la folie des combats menés par les Américains au Vietnam. Voilà. Donc, surtout, hein, je ne l'ai pas mentionné l'autre jour, c'est pas en fonction de ce que vous donnez, c'est vous donnez 1, 2 euros, 3 euros si vous pouvez, vous donnez 200 euros si vous pouvez, peu importe la somme, vous recevrez en retour, puisque quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un sur PayPal, votre adresse mail s'affiche, et donc vous recevez en retour le PDF dans votre boîte mail dans les heures, voire dans les jours qui suivent, pour pouvoir vous faire une petite lecture. Et grosso modo, j'ai décidé par rapport aux moyens dont je dispose en termes de temps, que je ferai un PDF par trimestre, hein, ça vous fera 4 PDF par an, en tout cas pour le moment, par rapport à ce que j'ai dans mon actualité en termes d'écriture. Donc ça, c'était un premier essai avec des travaux anciens mais remis au goût du jour. Je pense que le prochain sera probablement du même acabit, mais pareil, avec des travaux remis au goût du jour et augmentés, parce que j'avais produit une série qui me paraît encore très intéressante à étudier sur la guerre des Boers, et donc vous aurez ça donc quelque part autour de la mi-février pour correspondre un petit peu, hein, ou fin janvier, je verrai par rapport à mes obligations d'écriture pour les éditions Caractère. Voilà, donc surtout vous n'hésitez pas, et je vous dis, ça n'a rien à voir avec la somme, hein. Vous m'envoyez 1 euro ou vous m'en envoyez 100 ou 200, il n'y a pas de souci, vous recevrez le PDF. Donc je remercie tous ceux qui se sont déjà mis à l'œuvre et à contribution, et je vous dis d'emblée que
par rapport aux sommes que j'ai reçues, j'ai l'intention d'acquérir d'ici donc la fin de l'année, parce qu'il va falloir que, entre guillemets, cette petite cagnotte grandisse encore un petit peu. J'ai l'intention de faire des extérieurs, parce que je pense, par rapport à ce que je vous disais sur la bataille des Ardennes et son anniversaire au mois de décembre, et pour lequel je vais me déplacer sur les sites de Bastogne notamment, de Manet, etc. Je voulais en profiter pour vous faire quelques petits directs de là-bas. Eh bien, je vais poursuivre dans cette idée-là à partir de 2024, c'est-à-dire que je me rendrai sur différents champs de bataille avec le matériel nécessaire pour faire des prises de vue de qualité, donc grâce à vos contributions. Et donc, je pense que tous les mois, à partir de 2024, vous aurez une vidéo. Alors là, je n'ai pas d'idée avancée sur sa durée. Je pense que ça tournera entre une grosse demi-heure à 1 heure, hein, pour faire un vrai beau reportage sur un thème autour d'une bataille. Pas forcément toute une bataille, mais voilà, j'ai beaucoup travaillé pour mon Master 2 sur la bataille de Cambrai. J'ai beaucoup aussi travaillé, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, sur la Grande Guerre. C'est pas les champs de bataille autour de moi qui manquent pour vous faire des focus sur tel ou tel épisode de cette bataille. Je pense notamment pour la bataille de Cambrai, vous faire un focus sur le char Déborah Afflecker qui est dans le musée, pour que vous puissiez avoir une vision qui dépasse ce qui est proposé par la muséographie, puis qui aille dans le sens des travaux de recherche universitaire que j'ai publié, enfin que j'ai pas encore publié d'ailleurs, que j'ai rendu pour avoir mon Master 2 et qui reste à publier encore aujourd'hui. Un petit coucou à tout éditeur qui serait intéressé par ce genre de travaux. Voilà. Donc vous aurez des nouveautés à partir de 2024, enfin dès la fin de cette année sur Bastogne, avec donc des directs de quelques minutes, et puis à partir du mois de janvier, tous les mois, une vidéo sur le terrain avec la présentation éventuellement d'un musée, éventuellement donc, je ne sais pas moi, d'un lieu de combat, d'un lieu de sépulture, etc., grâce au matériel dont je ferai l'acquisition pour la fin de l'année avec vos dons. Voilà. Donc, encore une fois, on poursuit sur la lancée habituelle. Vous vous abonnez, vous partagez, vous appuyez sur le pouce bleu. Surtout, vous partagez, hein, j'insiste beaucoup parce que ça, je me rends compte à quel point c'est très bien de s'abonner, c'est très bien d'appuyer sur le pouce bleu, mais il faut aussi impérativement partagé pour que d'autres gens, alors bien sûr pour l'algorithme, je vous l'ai déjà dit, mais pour que d'autres gens aussi découvrent ces vidéos et puissent rejoindre entre guillemets notre petite communauté pour qu'elle s'agrandisse. Voilà. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, donc je continue de faire de jouer mon rôle de consultant télé, mais bien évidemment dans une moindre mesure par rapport à tous les projets qui avaient été lancés avant le Covid, hein, je pense notamment à la série, pardon, Tanks, Roi des champs de bataille, qui a été tournée à peu près, donc, enfin, qui a été décidée avant le début du Covid, qui a été tournée pendant la première année du Covid, et qui du coup n'a pas connu, alors elle a connu un très grand succès, mais elle n'a pas connu de rebond, parce qu'on pensait qu'il y aurait une seconde saison, et malheureusement, comme d'habitude pour les histoires budgétaires, c'est terminé. Vous le savez aussi, j'en ai pas parlé, mais que l'émission phare d'RMC Découverte avec mon ami Serge Tinière, Champ de bataille, a été arrêtée par la direction des programmes du groupe. Alors c'est le grand groupe BFM TV, hein, et donc aujourd'hui, bon, il y a très peu de chances qu'on revoie cette série sous cette forme-là, en tout cas pour le moment. Donc je poursuis ce que j'ai fait avec la série Navire de légende, hein. Il y a une saison 2 qui est en cours de préparation, mais c'est tout. Donc c'est pour ça aussi que de faire moi-même des vidéos pour continuer de vous parler d'histoire militaire me semble important, mais donc il faut aussi que la communauté puisse s'agrandir, parce que je pense qu'il y a plein de fans, hein, pour vous donner un ordre d'idée, un épisode de Champ de bataille en prime time le vendredi soir sur RMC Découverte, c'était à la fin, sur la dernière saison, en moyenne 500 000
téléspectateurs. Hein. C'est énorme pour un centre d'intérêt comme l'histoire militaire de faire une audience aussi importante. Et je ne vous parle pas ensuite avec les diffusions sur le replay pendant une semaine. Ça grandissait, enfin ça augmentait encore un petit peu plus et on pouvait atteindre jusqu'à 600 000 téléspectateurs. Voilà. Donc, faites connaître cette chaîne aussi pour récupérer des gens qui ne la connaissent pas encore, parce que c'est compliqué aujourd'hui de savoir où est partie telle ou telle personne dans un premier temps si on ne fait pas l'effort de recherche. Il y a des gens qui font pas beaucoup des fois d'efforts de recherche. Voilà, bon. Donc aidez-les, aidons-les. Et puis faisons grandir cette communauté. Bien évidemment, plus elle grandira et plus on pourra se donner des moyens de faire des choses originales pour. Voilà, moi j'ai l'intention, parce que c'est pareil, il faut là cette fois-ci faire appel à des prestataires extérieurs, faire de la cartographie comme on en fait pour les magazines des éditions caractères, mais pour les présenter à l'écran, etc. Donc tout ça dépend de vous. Voilà. Donc, dernier point, comme d'habitude, avant de passer au sujet, petit rappel, donc il est encore en kiosque cette semaine, hein, on est la semaine donc qui nous amène. À la période des vacances dites de la Toussaint pour ceux qui sont à l'école. Donc voilà, encore quelques jours en kiosque. Hein, le prochain numéro, on en parlera la semaine prochaine parce que là, c'est sûr, il sera sorti, hein, le numéro 105. Et puis, bien sûr, vous n'oubliez pas, hein, le troisième Panzer Corps, toujours disponible. Hein, j'attends encore, bien évidemment, tous ceux qui ont des questions. Des retours quelconques, n'hésitez pas en commentaire. C'est toujours avec plaisir que je vois arriver vos questions sur les différents aspects que nous abordons. Et si vous voulez parler du livre ou du magazine, bien évidemment, c'est avec grand plaisir. Je suis à votre entière disposition par rapport à tout ça. Voilà, alors, le vif du sujet. Donc, nous avons fait il y a 15 jours une vidéo concernant la Repérative qui a été très suivie, qui a été très appréciée, semble-t-il. Et donc, je vous disais que je voulais aller un petit peu plus loin, parce que ça me semble important de le faire, dans la comparaison, d'une certaine manière, avec l'autre grosse tarte à la crème qui, elle, cette fois-ci, est très connue, qui bénéficie d'une diffusion en termes de concept, et parfois d'ailleurs d'une diffusion qui n'est pas forcément de qualité dans l'art de la guerre moderne, qui est la Blitzkrieg allemande, hein, et puis donc ce que certains ont pu colporter pendant des années, selon lesquels l'armée allemande avait atteint, soit en 1914-1918, soit en 1940, une supériorité à la fois intellectuelle, conceptuelle et dans l'application sur le terrain d'une doctrine. Alors, bien sûr, vous le savez pour ceux qui suivent mes travaux, qui suivent ceux de Jean Lopez ou de Laurent Ehinger depuis déjà bien plus longtemps que les miens, on a tous travaillé dans l'étude de cette question pour essayer de vous expliquer que tout ça n'est pas, c'est faux, mais ça repose sur du sable. C'est-à-dire que on a une présentation maintenant, notamment grâce au dernier ouvrage de Benoît Bihan et Jean Lopez, une idée très claire, très pardon. Très net de ce qu'est l'art opératif, hein, voilà, donc c'est ce qui sert, alors on revient avec la métaphore, enfin la comparaison avec le harnachement d'un cheval pour que le cavalier puisse lui donner des instructions, ou celle de l'engrenage que j'avais moi-même développé, qui permet donc à la stratégie par l'engrenage de l'art opératif de tirer les bénéfices de la tactique. Hein. Donc je vous rappelle, l'art opératif, son objectif, c'est de faire de telle sorte à ce que les combats, hein, soit entre guillemets, enfin, ait un apport positif dans la conduite de la guerre et pas juste obtenir des victoires tactiques pour le plaisir d'obtenir des victoires tactiques. C'est comment ces victoires tactiques sont bonifiées au profit de la stratégie qui a été adoptée au début d'une opération ou au début d'un conflit. Voilà. Donc, quand on a ça bien
en main, entre guillemets, et qu'on regarde ce qu'ont fait les Allemands à partir de 1940, enfin 1939-1940, et quand on regarde les origines de la pensée militaire allemande qu'il y a par rapport à la Blitzkrieg, on se rend compte qu'on n'est pas du tout, mais pas du tout dans les mêmes, dans la même trajectoire intellectuelle. Hein. C'est pas du tout la même question. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la première, c'est que la stratégie en Allemagne relève principalement de l'héritage prussien. Et l'héritage prussien, c'est un héritage donc, qui est celui du roi Frédéric II de Prusse, hein, dit Frédéric le Grand, l'ami de Voltaire, enfin, pendant un temps, qui a organisé, à la suite de son père, le roi Sergent, l'État prussien. Autour de l'armée. C'est-à-dire que la Prusse, comme le disait l'adage au XVIIIe siècle, c'est une armée qu'occupe un État. C'est-à-dire que c'est le pilier central de la société, c'est pas sa bourgeoisie, sa noblesse, etc., ou le peuple dans ses activités, c'est l'armée, c'est le point central. Pourquoi? Parce que la Prusse est un État qui est donc tout neuf hein, au XVIIIe siècle, à la fin de la première moitié du XVIIIe siècle, vers les années donc 1740-45, et c'est un État qui est dans une situation géostratégique d'encerclement au milieu de trois grandes puissances qui veulent sa peau, hein, pour parler clairement, l'Empire russe, l'Empire autrichien et éventuellement un troisième larron qui est la France. Et peut-être éventuellement aussi, si les choses tournent mal, l'Angleterre qui, je le rappelle à cette époque-là, a encore la mainmise sur le Hanovre, donc sur le continent, en Allemagne, et qui peut menacer à son tour la Prusse. Alors, c'est pas ce qui se passera, c'est plutôt des alliances entre ces deux États qui auront lieu, mais la Prusse est un État qui vit dans une situation d'encerclement. Alors, j'ose la comparaison pour ceux qui suivent l'actualité, la Prusse est un État qui, stratégiquement, je ne parle pas de la population bien évidemment, mais qui est stratégiquement dans la même situation qu'Israël depuis sa création, c'est-à-dire qu'elle est entourée d'ennemis qui veulent sa peau, et donc il faut que son armée soit effectivement conçue et adaptée pour pouvoir répondre à ces doubles ou triples menaces quant à son existence. Hein. Et c'est ce qui se passera pendant notamment la guerre de 7 ans. Frédéric II devra batailler alors vraiment très fermement contre au moins deux des trois, hein, parce que la France sera vite mise hors jeu après la défaite catastrophe de Rosbach. Mais en tout cas, contre l'Autriche et contre la Russie, il aura de très grandes difficultés à garantir tout simplement l'existence de son État. Et donc, se développe autour de cette problématique la nécessité, dans la pensée militaire qu'on va qualifier de germano-prussienne, de frapper très fort, très vite, et de préférence un coup et un seul qui soit décisif. Hein. Alors, comme je l'avais un peu évoqué dans la dernière vidéo, on a toujours eu cette idée que voilà, les guerres allaient se régler faute d'avoir des États capables de mobiliser des moyens colossaux, jusqu'à, je vous l'ai expliqué, le tournant entre la fin du XVIIe, début du XVIIIe avec la guerre de succession d'Espagne. L'idée que, soit par des sièges importants de villes stratégiques, soit par quelques batailles rangées, et donc des batailles qui prennent un caractère tout de suite très décisif parce qu'on n'a pas l'opportunité d'en mener beaucoup, eh bien, on va porter un coup à l'adversaire qui va permettre d'obtenir la victoire, et puis on passe à autre chose, hein, on signe une paix, on annexe éventuellement des territoires, etc., et on repasse à une période de paix. Et les Prussiens, eux, c'est pas que la situation de développement des États leur a échappé. Hein, ça, faut reconnaître que c'est pas cette problématique-là. Ils savent très bien, voilà, effectivement, que à partir de la guerre de succession d'Espagne, des nations comme la France ou comme l'Autriche ont été capables et la Russie, au même moment pendant la Grande Guerre du Nord, ont été capables de mobiliser des moyens bien plus importants qu'avant, et que ça devient même encore plus important de frapper un coup décisif ou deux qui soient vraiment capables de régler un conflit dès le départ, avant d'une part
que les autres puissent se mobiliser, et puis pour ensuite économiser ses ressources, pour éventuellement, si on a éliminé un adversaire, mettons la Russie, on va pouvoir se tourner vers l'Autriche, l'éliminer, et puis passer à la France si c'est nécessaire. Hein, voilà, donc la situation de la Prusse, elle est là, et donc le système de pensée germano-prussien va rester très focalisé autour de cette idée. Sans pouvoir d'ailleurs au cours du règne de Frédéric II être capable de le mettre en place une seule fois. Il faut tout de suite le préciser aussi. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui pense, et c'est une pensée qui est cohérente vu cette situation à l'époque, qu'il faut porter des coups décisifs dès le début de la guerre et donc avoir une armée qui est déjà sur le pied de guerre en temps de paix. Hein. Vous comprenez bien ce que ça signifie au départ. Pour ça qu'on dit que l'armée occupe l'État prussien, parce qu'elle n'est pas démobilisée de la même manière que dans d'autres États, même si elle est moins nombreuse, mais elle a un niveau de professionnalisation qui est très élevé par rapport aux autres. Et on va se dire, bon, voilà, il faut tout de suite frapper. Or, Frédéric II, malgré par exemple la très grande et très brillante victoire sur le plan tactique de Leuthen en 1757, il n'est pas capable de vaincre ni la Russie ni l'Autriche, et Rosbart va mettre la France hors jeu, non pas dans le conflit, mais dans le conflit avec lui. Hein. Donc c'est pas non plus. Alors ça a un effet important, faut le reconnaître, ça enlève un des trois adversaires potentiels, mais ça ne l'élimine pas définitivement de l'ensemble du conflit, parce qu'on est dans un conflit d'alliance contre alliance. Bon. Mais pour la sécurité de la Prusse, on peut dire qu'effectivement, Rosbart a permis à Frédéric II d'évacuer le problème français assez rapidement. Par contre, il n'arrivera pas à se défaire du problème russe et autrichien jusqu'à la fin du conflit, et avec des fois, même avec la victoire de Leuthen, l'Autriche va continuer la guerre. Et donc on va avoir très rapidement cette impasse qui est de vénérer la bataille décisive, de lui trouver une espèce de... Alors, il y a le modèle antique qui est le double encerclement de la bataille de Cannae avec Hannibal et les Romains, et son expression à l'époque qui est la bataille de Leuthen, qui va faire l'objet d'une espèce de culte où on va dire, voilà, c'est la merveilleuse bataille, l'ordre oblique, etc. Très bien, sur le plan tactique, c'est effectivement une manœuvre qui est absolument brillante, qui mérite qu'on l'étudie encore aujourd'hui, mais on la transforme en une espèce de modèle qu'il faudrait appliquer, encore une fois, comme une recette, et qu'il suffirait de la répéter correctement pour qu'on puisse obtenir victoire. Or, Frédéric II va avoir beaucoup de batailles à mener après Leuthen. Il essaiera de refaire sa manœuvre tactique. Il n'y parviendra jamais. Hein, donc, c'est un modèle qui est très fragile parce que ça, c'est ce qu'on apprend. Certains savent que je suis un ancien entraîneur de football américain. Un geste technique, une manœuvre, hein, ou ce genre de choses, on considère qu'elle est définitivement acquise à partir du moment où on est capable de la répéter plusieurs fois avec succès. Si vous réussissez une fois, eh ben on va pouvoir dire soit c'est parce que votre adversaire vous a laissé faire, soit parce que vous avez eu un coup de chance, soit parce que des facteurs extérieurs comme la météo, etc., ont joué en votre faveur. Mais ça veut surtout pas dire que vous pouvez en faire un modèle et que vous pouvez vous dire ah ben c'est bon, je maîtrise. Loin de là. Et là, c'est le cas. Pourtant, on va ériger ça en modèle. Et on a tout de suite la réponse à cette mauvaise manière de penser, si je puis dire, qui va être la double débâcle, même la triple débâcle de l'armée prussienne. Donc Frédéric II va mourir quelques années avant la Révolution française. Et quand l'armée française emmenée par Napoléon va affronter les héritiers de Frédéric II en 1806 avec Jena-Auerstaedt, puis ensuite les différentes opérations de poursuite et de siège autour de ce qui restera de l'armée prussienne mobilisée par Blücher, on va avoir une défaite mais catastrophique pour la Prusse. Catastrophique. Et là, c'est pas contre trois adversaires, c'est contre un seul qui
est à peu près à parité numérique et qui va être capable, parce qu'il gère la manœuvre tactique et la manœuvre opérative, proto-opérative d'une bien meilleure manière que les Prussiens qui sont restés figés sur le modèle frédéricien, eh bien tout ça va voler en éclats. Il n'y aura pas de répétition victorieuse de Canaille, on ne va pas réussir à faire ça. Donc il faut comprendre que pour les Allemands, ça ne va rien changer, parce que étant donné qu'à la fin Napoléon va être vaincu, qu'il s'arroge une part très importante de la première très grande victoire des coalisés contre Napoléon à Leipzig en 1813, hein, j'ai écrit un papier pour le site Le Dialogue sur cet héritage de la bataille de Leuthen, donc vous pourrez aller le lire, hein, je le mettrai en lien pour approfondir cette question. Mais quand on arrive au XIXe siècle, avec les guerres d'unification contre le Danemark, contre l'Autriche, et puis bien sûr contre la France en 1870, les Prussiens sont toujours convaincus que puisqu'ils ont fait partie des vainqueurs de Napoléon, n'oublions pas ce qu'ils pensent bien sûr de leur participation à la fin de la bataille de Waterloo dans la victoire finale, on va conserver cette idée, dans ces guerres d'unification, qu'il faut porter des coups décisifs et obtenir des victoires rapidement pour mettre à terre les adversaires. Alors, je vous avais expliqué l'autre jour ce qui s'est passé pour la France en 1870-71. Les Prussiens se sont retrouvés, enfin les germano-prussiens, puisque là ils avaient coalisé tous les États allemands avec eux contre nous. Enfin, nous les avions bien aidés en leur déclarant la guerre, hein. Faut pas l'oublier. Et donc, ils vont être très surpris. Ils vont gagner plusieurs grandes batailles importantes, et notamment celle autour de Metz et puis celle de Sedan. Et malheureusement, alors là, il y a des victoires militaires successives sur un laps de temps très court d'un mois. Et à la fin, on n'a pas de victoire stratégique et donc politique. Alors là, pour eux, c'est une espèce de petit coup de massue derrière la tête, parce que même si à la fin ils vont gagner la guerre, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose quand même qui peut poser problème. Alors, il va y avoir une réflexion intellectuelle monumentale en Allemagne, dans le Second Empire, hein, le Deuxième Reich, à partir de 1871 jusqu'à 1914, pour savoir comment trouver un moyen de répondre à cette problématique. Malheureusement, personne ne trouvera la réponse. Hein, Moltke l'Ancien laissera entendre à la fin de sa vie dans ses écrits qu'il a compris que cette idée de bataille décisive est complètement inefficace, et qu'il a bien compris que là, avec l'explosion des effectifs, l'explosion des moyens de mobilisation des nations, etc., ça va être vraiment très très compliqué de pouvoir frapper un coup qui puisse ressembler, je sais pas, à Sedan ou à Sadova, et que les guerres risquent d'être prolongées. Alors on va avoir l'idée qu'on va mener une campagne, une grande campagne avec plusieurs batailles, et que on va passer de la bataille décisive à la campagne, certains diront malheureusement à l'opération décisive, hein, que ça permettra la dégradation de l'idée d'art opératif vers le niveau opérationnel tel que les Américains et les Occidentaux le conçoivent aujourd'hui. Mais quand arrive la guerre de 14, on est toujours dans l'idée qu'on va avoir, non plus, bon, certes, une bataille, mais qu'on va avoir une campagne. Hein, les Prussiens, enfin, le grand état-major germano-prussien parle de 6 semaines pour se défaire de l'armée française en 1914. Vous voyez, on est passé d'une bataille comme Leipzig qui dure 3 jours, ou les batailles autour de Metz qui s'étalent elles aussi sur 3 jours. En 1870, on passe à quelque chose qui va durer cette fois-ci 6 semaines. C'est-à-dire que le grand état-major pense ça. Pourquoi? Parce qu'une fois encore, l'Empire allemand est encerclé par l'alliance franco-russe, et que si en 6 semaines la France n'est pas battue, on est convaincu, et à raison, que l'armée russe sera mobilisée et qu'elle arrivera donc sur l'autre front à poser de grandes difficultés, et qui nécessiteront de rapatrier toutes les troupes, ou une grande partie des troupes, du front français vers le front russe. Voilà pourquoi on conçoit cette manœuvre de la sorte. Donc, on a toujours, en 1914, cette idée qui prévaut. Cette idée va continuer de prévaloir. Non pas dans la conception des différentes opérations offensives qui sont menées par les Allemands entre 14 et 18,
Parce qu'on se rend compte que là, les batailles qu'on déclenche, hein, je vous rappelle, la bataille de Verdun pour l'armée allemande, c'est une opération de provocation pour engager les Britanniques prématurément, enfin pour contraindre les Britanniques à s'engager prématurément ailleurs. Hein, la manœuvre de Falkenhayn, c'est ça, hein, c'est pas cette histoire folle de saigner l'armée française à blanc, non, c'est de se jeter sur un point du front avec des moyens limités. Important mais limité néanmoins sur l'ensemble des moyens dont disposent les Allemands pour provoquer. Donc là, on est dans une séquence qui a vraiment un caractère proto-opératif parce que ce qu'on veut, c'est provoquer la réaction prématurée des Anglais sur un autre secteur du front pour les battre, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas encore assez entraînés, pas encore assez instruits, pour que l'armée britannique soit entre guillemets anéantie et que la France se retrouve seule. Et contrainte à négocier. Hein. C'est ça la pensée de la stratégie de Falkenhayn dans la conception de l'opération contre Verdun en 1916. Hein. C'est pas de saigner l'armée française à blanc. C'est l'échec de cette opération qui va transformer la bataille de Verdun en une opération d'attrition, mais pas dans sa conception initiale. Voilà. Alors on va retrouver cette idée de porter des coups majeur sur un laps de temps assez court à la fin de la guerre en 1918. Hein, je vous renvoie à mes travaux, je les mettrai en lien, pardon, sur tout ce qui concerne les opérations menées par les Allemands entre l'opération Michael et puis l'opération Friedensturm, donc mars-juillet 1918. Quels étaient les moyens, les objectifs et la doctrine appliquée? Et là, on voit que c'est très pauvre parce qu'on est sur du tactique. Et vous allez voir que ce tactique, il est prémonitoire. C'est-à-dire, on crève le front en concentrant des moyens importants. Alors à l'époque, les moyens importants, c'est l'artillerie et les Stoßtruppen, les troupes d'assaut, Stoß ou Sturmtruppen, comme vous voulez, hein, avec l'artillerie qui est concentrée, qui opère non plus des préparations d'artillerie très longues qui permettent de dire, ah ben, on va être attaqué ici. Hein, c'est des feux qui sont très denses, très concentrés, mais qui n'ont lieu que dans les quelques heures qui précèdent l'assaut des troupes, pour obtenir donc un effet de choc. Et ensuite, les Stoßtruppen viennent s'infiltrer dans les défenses, détruisent par l'infiltration tous les réseaux névralgiques de commandement immédiat, puis de commandement profond. Et donc, on se retrouve avec des unités qui s'effondrent. Et là, on peut amener, on va dire, les troupes dites régulières, pour commencer à progresser dans la profondeur vers les positions de l'artillerie moyenne, de l'artillerie lourde et des PC de division et de corps d'armée de l'adversaire. Mais de ces opérations, on se rend compte qu'il n'y a pas d'objectif stratégique défini, c'est-à-dire que Ludendorff, quand on lui demande pour l'opération Michael, qui est la plus importante des opérations menées en 1918, on lui demande mais quel est l'objectif? Il dit, écoutez, on perce. On fonce dans la brèche et puis on verra après. On est très surpris de cette légèreté, de cet amateurisme quelque part, de ne pas avoir clairement défini qu'il y avait un objectif immédiat qui était la prise d'Amiens et du nœud ferroviaire que représentait Amiens entre Paris et le nord de la France et que c'était un nœud vital par rapport aux liaisons entre les armées françaises et britanniques, etc. Quand il va répéter le coup, par exemple, contre Hazebrouck et contre le sud du saillant d'Ypres en 1918, au mois cette fois-ci d'avril, avec l'opération Georgette, c'est la même chose. Bref, à chaque fois, on se rend compte qu'on est en plein dans la tactique, avec des moyens très importants par rapport à l'armée allemande, hein, c'est-à-dire que toutes ses forces vives sont jetées dans ces opérations à ce moment-là, et toutes ces forces vives en hommes et puis aussi en matériel, hein, parce que la production industrielle en obus est mobilisée pour ces opérations notamment, et on se rend compte qu'on frappe des coups très forts, avec des gains tactiques spectaculaires, mais avec aucun gain opératif, et donc a fortiori aucun gain stratégique, parce qu'on n'a tout simplement pas pensé. Hein, il y a des réflexions des observateurs qui diront que finalement Ludendorff il a commandé tout ça comme un colonel à la tête d'un régiment, alors qu'il est à la tête d'une armée qui, pour mener ses opérations, mobilise des centaines de milliers d'hommes.
Voilà, et de canons, etc., même de chars, hein, puisque les Allemands vont engager leurs rares chars A7V, vont engager les chars de prise M4, Mark IV britanniques qu'ils ont récupérés lors de la bataille de Cambrai en novembre 17. Donc on va avoir vraiment cette volonté de faire, de percer enfin ce front, d'exploiter la brèche, mais alors cette phase d'exploitation, elle est complètement réduite à la portion congrue, hein, c'est-à-dire qu'elle ne représente finalement rien dans la planification. Voilà. Et on va avoir une interprétation, et ça a été l'objet de mes travaux universitaires pour mon Master 2 avec la bataille de Cambrai et son héritage, parce que les Allemands décident de faire ça, alors ils l'ont expérimenté avant Cambrai, hein, ils l'ont expérimenté notamment en Italie à Caporetto, ils l'ont expérimenté en Russie à plusieurs reprises, et notamment à Riga, là encore en 1917, donc tout ça avant la bataille de Cambrai, et on se rend compte que malgré l'échec final, l'idée qu'on a pu percer le front, bon, certes, on n'a pas obtenu de victoire derrière, mais on a réussi tactiquement à résoudre le problème de la percée du front. On va avoir une réflexion autour de, ah, ce qui nous a manqué, c'est de la vitesse et de la puissance à travers l'absence de blindés, de chars. C'est-à-dire qu'effectivement, les Allemands déploient à ce moment-là, en 1918, au mieux, on va dire une soixantaine de chars. Très rarement simultanément, hein, quand ils arrivent en alignée une quarantaine simultanément, ils sont bien heureux, pour tout un tas de problèmes de logistique notamment, et puis d'acheminement, de concentration, etc. Mais on se dit, voilà, les autres en face, à partir de l'échec de Friedensturm en juillet 1918, eux vont utiliser massivement les chars pour obtenir la percée, puis ensuite essayer de l'exploiter avec des chars légers, donc Renault FT ou avec les Whippets britanniques. Mais nous, on n'a pas ça, on n'a pas eu ça dans notre arsenal, et donc on comprend que ça va être comme à Cambrai, parce que le modèle de Cambrai, c'est le modèle char artillerie avion. Donc on a tous les ingrédients de ce qu'on a appelé plus tard la Blitzkrieg qui sont à l'œuvre. Donc les Allemands vont se pencher, et notamment un parmi eux qui est Guderian, hein, va se pencher sur ce triptyque et va comprendre que, effectivement, sur le plan tactique, c'est extrêmement efficace et que ça permet, si on a des blindés qui sont plus rapides, d'aller non pas comme les Mark IV à Cambrai jusqu'à 5-6 km dans la profondeur des défenses allemandes, mais que là, avec des chars plus mobiles, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et obtenir des résultats beaucoup plus intéressants. Simplement, et c'est là la grande différence avec l'art opératif, c'est qu'on reste sur de la tactique. C'est-à-dire qu'on est là dans la gestion de la problématique posée par la Grande Guerre, qui est crever le front. On a un front continu. Comment on le crève et comment ensuite on exploite cette brèche. On n'est pas du tout dans une pensée qui va essayer de se dire, d'accord, mais tout ça par rapport à la stratégie qu'on a fixée, qu'est-ce que ça va donner? À quoi ça va servir la stratégie? Est-ce que cette capacité d'obtenir une supériorité tactique sur le terrain avec ces ingrédients-là, ça va permettre, donc à travers donc soit le harnachement, soit l'engrenage de l'art opératif, de servir les objectifs stratégiques qui ont été fixés. Et c'est là qu'on a une absence du côté allemand, c'est-à-dire que à aucun moment, alors d'une part, la Blitzkrieg ne sera théorisée comme l'art opératif, c'est-à-dire que vous n'avez aucun texte équivalent à l'œuvre de Tukhachevski, Stratégie, ni à celle de ses disciples, Isserson, Triandafilov, etc., tous ceux que je vous ai nommés il y a 15 jours, les penseurs militaires allemands, ils vont pas aller jusque-là. Hein? Même si pour certains, ils vont être en relation avec les officiers soviétiques dont je viens de mentionner le nom, puisque vous le savez, à partir des années 20 jusqu'à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y a des accords secrets au sein du traité de Rapallo entre l'Allemagne et l'URSS qui permettent des échanges d'officiers dans les académies militaires et surtout de faire venir des officiers de la Reichswehr en Union soviétique pour qu'ils soient
donc reçu dans les grandes académies hein, militaires, comme ça se fait pour nous encore aujourd'hui à Saint-Cyr. On reçoit des officiers étrangers qui font le cursus de Saint-Cyr comme des officiers français, tout ou partie. Parce qu'on a comme ça des échanges de compétences et ça permet l'interopérabilité des unités plus facilement en cas d'action des forces des pays concernés. On a vu ça avec les pays africains notamment. Donc là, c'est pareil. Donc on a quand même une porosité entre les deux armées, mais pas entre les deux pensées, parce que les Allemands, eux, vont s'arrêter à l'aspect tactique et en plus de ça. Tout ce qu'on peut lire sur comment ça a été exploité, comment ça a été mis en œuvre dans les années 30, à partir du moment où Hitler est arrivé au pouvoir et qu'il a mis en place la Wehrmacht, et donc qu'il a à nouveau donné des moyens matériels aux militaires allemands pour avancer dans cette réflexion, eh bien on se rend compte que en 1939, l'armée allemande, elle n'a pas, de manière unanime, une pensée globale lui permettant de mettre en œuvre ce que les journalistes qualifieront de blitzkrieg au moment de l'invasion de la Pologne. Hein, on a, parce que n'oublions pas, en 1939, on est pour l'Allemagne, pour l'Union soviétique, et pour l'Italie, mais dans de moindres mesures, on est sur le retour d'expérience de la guerre d'Espagne. Et les retours d'expérience sur la guerre d'Espagne ne sont pas unanimement partagés également au sein de la Wehrmacht par les différents officiers. Hein, on sait qu'en Union soviétique, ça fait partie des grands problèmes que rencontrera l'armée rouge dès la guerre contre la Finlande, mais on sait qu'on est sur quelque chose où il y a encore une dispute interne au moment de l'invasion de la Pologne. Il n'y a pas la doctrine blindée mécanisée de la Wehrmacht qui a été clairement définie, sur laquelle des textes ont été rédigés et pour lesquels on a des officiers qui sont tous unanimement et correctement formés. Pas du tout. C'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus flou. Hein. Je vous renvoie, je remettrai en lien parce que là, celui-là, c'est vraiment un des livres les plus importants pour comprendre ça. C'est-à-dire que autant, donc on voit à travers cet ouvrage ce qui manque du côté russe et ce qui a été loupé dans le retour d'expérience à la guerre d'Espagne, et pourquoi? Et puis c'est pareil du côté allemand, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doctrine unique. Hein. Alors il y a une maîtrise effectivement par les officiers qui sont au sein des divisions motorisées, blindées motorisées, les Panzerdivisionen. Comme selon laquelle voilà il faut donc percer, il faut ensuite s'infiltrer, mais ça c'est la mise en c'est une sorte de mise à jour hein, des concepts de 1918 avec des moyens simplement qui sont augmentés. C'est pas une nouvelle forme de pensée, c'est une nouvelle méthodologie pour appliquer cette pensée tactique. C'est ça le point le plus important, c'est de comprendre qu'on reste dans le domaine de la tactique et que par le biais de l'évolution des techniques, on obtient des matériels différents pour approfondir et augmenter l'efficacité de ces tactiques. Alors voilà, parce que les avions, le triptyque avion-char-artillerie, il date de 1917 à la bataille de Cambrai. Voilà. Donc après, c'est juste parce qu'on a une artillerie qui peut être plus puissante, on a une aviation qui peut être plus performante, on a bien sûr les liaisons entre cette aviation et les troupes au sol et les blindés qui devient de plus en plus efficace. Ça, c'est un des points forts qui a été développé par les Allemands. Et puis, on a bien sûr la capacité avec les chars de 1940, enfin 1939, hein, n'oublions pas le cas polonais, d'aller bien sûr beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que ne le faisaient les chars en 1917-1918. Et puis en plus, on a maintenant des unités motorisées pour transporter l'infanterie au plus près des chars. On a des unités d'automitrailleuses qui éclairent le déploiement des chars dans la profondeur. Donc tout ça permet d'aller plus loin, plus vite, mais dans quel but? C'est l'effondrement du front adverse et l'obliger à se replier. Mais ce n'est absolument pas une pensée qui dépasse le stade de la tactique. Et on va le voir dès la campagne de France. C'est-à-dire qu'au cours de la campagne de France, cette idée
Déjà, elle n'est répandue donc dans le corpus qui ne représente qu'une dizaine de divisions. Hein, l'armée allemande va mobiliser plus de 100 divisions pour attaquer la France et le Benelux en 1940. On a 10 divisions blindées, enfin blindées mécanisées ou motorisées, peut-être 15 avec les divisions motorisées, qui maîtrisent cet aspect. Et c'est tout. Le reste de l'armée allemande va à pied. Le reste de l'armée allemande a la majorité de ses soutiens qui sont hypomobiles et donc va à la vitesse des divisions de 1918, pas plus vite. Donc, dans cette articulation tactique, encore une fois, on va revenir au concept dont on parlait au début, le coup unique. Donc, on fait un coup puissant qui va être bonifié par la tactique dite donc de la Blitzkrieg. Hein, et je rappelle, ce n'est pas un mot qu'on trouve dans la doctrine allemande. Ce n'est pas un mot qu'on trouve dans la doctrine allemande. C'est une observation faite par des journalistes américains ou britanniques. J'ai un doute sur leur nationalité, mais enfin bon, anglo-saxons, et qui remontent au début de l'attaque de la Pologne. Hein, c'est pas du tout en rapport avec une efficacité particulière, puisque là, à ce moment-là, la Pologne n'est pas encore vaincue. Donc voilà, ce triptyque est capable d'obtenir le coup, notamment donc très connu du franchissement des Ardennes, etc., etc. Mais néanmoins, même ce coup-là, quand on le regarde de près et quand on l'étudie tactiquement, comme l'a fait l'historien et ancien officier de la Bundeswehr Karl-Heinz Frieser, on se rend compte qu'il est loin d'être parfait. Une fois encore, il porte plein d'imperfections parce qu'il est porteur du plus grand mal, à mes yeux, de ce que peut faire enfin, de ce que peut engendrer dans la tête d'un officier le concept de Blitzkrieg, c'est ce côté à l'ancienne, héroïque, avec l'aspect panache, de diriger de l'avant ses unités. Hein, on nous rebat les oreilles avec l'histoire de Rommel dans son commande-car ou de Guderian, etc., à l'avant de leurs troupes. Ce qu'on oublie de nous signifier à côté, c'est que Guderian a failli se faire au moins être capturé par les Français autour du 12 ou 13 mai 1940, hein, dans la proximité de Stone, parce qu'il était perdu avec sa voiture au contact avec des unités de première ligne, et que vu la mobilité du front, il a failli tomber sur des... Enfin, il est tombé sur des Français qui auraient pu le capturer. Donc on est dans quelque chose qui n'a pas compris que l'exercice du commandement pouvait nécessiter qu'éventuellement on fasse des visites au front pour mieux se rendre compte et mieux apprécier une situation, mais qu'on ne pouvait plus commander de l'avant comme on le faisait tout simplement encore au XVIIIe siècle. C'est courir beaucoup trop de risques. Hein. Et ensuite de ça, il faut bien comprendre, et ça, Karl-Heinz Frieser l'explique dans son livre. Alors, je ne sais pas si la traduction en français est la bonne, mais c'est Les mythes de la guerre éclair. C'est que en faisant la percée à Sedan, Guderian a donc, ça nous le savons tous, désobéi aux ordres qui lui avaient été donnés, parce que très prudemment, on lui avait demandé de franchir la Meuse, d'élargir la tête de pont, avant ensuite de se lancer dans une ruée vers l'océan, si on peut dire. Hein. On ne lui avait pas demandé de percer puis de foncer tout de suite. Lui, il s'est dit, voilà, les troupes adverses se sont désorganisées, je fonce, etc. Ça lui a permis d'obtenir une victoire, certes, qui est entrée dans la légende, mais qui a été très fragile. C'est-à-dire qu'à tout moment, avec une réaction un tout petit peu plus rapide, un tout petit peu plus, entre guillemets, péchu du côté des Français, notamment dans ce secteur-là, et ça tombait complètement à l'eau. Hein. Freezer l'explique très bien, ça aurait pu coûter très cher à toute l'opération. Parce qu'on est là, on est dans l'euphorie, je ne sais pas, de celle d'un officier de cavalerie au début du 19e siècle sur un champ de bataille napoléonien, et on se dit, allez, comme Ney à Waterloo avec les charges de cavalerie, je dirige tout ça moi-même, sabre au clair. Donc d'une part, je perds la visibilité de l'ensemble de l'opération, je perds le contrôle sur les unités les plus éloignées,
Hein, et bon, bah, j'utilise ma radio au mieux pour parvenir à tout ça, mais en prenant des risques colossaux pour moi-même, et puis aussi bah, parce que techniquement, une radio, ça tombe en panne, un véhicule de commandement, ça tombe en panne, et puis vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise rencontre. Hein, plus vous vous enfoncez dans le dispositif adverse, plus vous risquez de rencontrer quand même des troupes sur les arrières. Et si vous êtes une simple Kubelwagen ou si vous êtes un simple Halftrak avec une mitrailleuse et que vous tombez, je sais pas, sur une compagnie d'infanterie, votre sort, il est fait. Donc, on est dans une pensée qui est tactique, qui cherche une efficacité tactique et qui en plus prend des risques colossaux pour avoir une chance d'aboutir à un succès plus important, à un succès qui, pour en tout cas ce qui concerne la France, est opératif, c'est vrai, puisque la France est mise hors jeu. Hein, à la fin de la campagne de France, on peut dire que l'opération du double plan jaune et rouge menée contre la France et contre le Benelux a obtenu ce qu'il cherchait. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas obtenu la défaite de l'Angleterre et que cette défaite de l'Angleterre, son absence du bilan de la double opération du plan jaune et du plan rouge, eh bien, d'une part, elle n'était pas prévue par les Allemands, parce qu'il y avait un facteur, je vous renvoie aux travaux de l'ami François Delplat sur cette question, parce que c'est vraiment lui qui a mis le doigt là-dessus, avec vraiment beaucoup de détails et de pertinence, c'est que les Allemands n'avaient pas prévu que le jour où ils ont attaqué et déclenché le plan jaune, eh bien, au Royaume-Uni, on a nommé un nouveau Premier ministre, Winston Churchill, qui, par sa seule présence, quasiment par sa seule présence, a empêché la Grande-Bretagne de connaître le même sort que la France, c'est-à-dire d'avoir une grande partie de ses élites qui acceptent de signer une paix avec Hitler en juin 1940. Mais néanmoins, voilà, l'efficacité de plan jaune, plan rouge pour les Allemands avec la Blitzkrieg, eh bien, c'est la mise à l'isolement de la Grande-Bretagne seulement, pas la défaite, et effectivement la défaite de la France et du Benelux. Mais à quel prix et avec quel risque encouru? Et est-ce que ce modèle-là est vraiment un modèle? Est-ce qu'il est répétable, etc.? Aucune idée. Et résultat des courses, on va reprendre cette recette tactique et on va attaquer l'Union soviétique avec. Et là, malheureusement, c'est l'erreur magistrale, non pas de dire l'URSS parce que c'est la Russie et, avec sa profondeur stratégique. Non, c'est-à-dire que tout simplement, pardon, à partir du moment où vous n'avez qu'une vision tactique pour vous jeter sur des proies stratégiques de cette taille-là, vous allez dans le mur à un moment ou à un autre. Parce que même si, entre guillemets, la recette va refonctionner en 41 avec la Yougoslavie et puis la Grèce, juste avant, donc au printemps 41, juste avant le déclenchement de Barbarossa. Une fois encore, c'est contre des adversaires qui sont moindres, avec des moyens qui sont moindres. Et donc, à partir du moment où vous allez vous affronter à plus fort que vous, numériquement en tout cas, et bien plus fort que vous numériquement, ça risque de vous poser des problèmes parce que, en plus, donc il y a cette profondeur stratégique dans laquelle vous risquez de vous noyer, tout simplement. C'est-à-dire qu'avec les moyens que vous avez mobilisés, eh bien, vous risquez la noyade, parce que l'armée allemande qui va attaquer l'Union soviétique par rapport à l'armée qui a attaqué la France et le Benelux en 1940, elle a quelques divisions motorisées ou blindées supplémentaires, et encore en enlevant des bataillons de chars à celles existantes pour créer des nouvelles divisions. Donc, en final, au nombre de chars, on a une augmentation, mais qui n'est pas non plus monumentale. Et on reste sur une armée qui est globalement une armée à pied et hippomobile, et qui a quelques flèches un peu plus nombreuses que contre la France pour attaquer un espace qui est immense, et avec une idée vague d'objectifs stratégiques, parce qu'il y a ça aussi qui est problématique, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment? Alors, on pense aujourd'hui que bon, Hitler voulait sûrement et principalement se garantir la sécurisation du grenier à blé ukrainien. Hein, ça semble ne plus faire de débat. Il n'a jamais été question de prendre Moscou parce que pour lui, ça n'avait pas d'intérêt particulier. Ça, c'est une lubie de ses généraux et de Guderian en premier lieu. J'ai aussi écrit sur cette question.
Et puis de neutraliser Leningrad par un siège abject, hein, puisqu'il n'a jamais été question de s'emparer de la ville, mais d'affamer la population jusqu'à ce que la ville tombe comme un fruit mûr. Voilà. Donc, et sur le passage qui mène à ces objectifs territoriaux, d'écraser l'armée rouge, de la détruire. Voilà. Donc avec des moyens inférieurs en nombre et avec en face une armée qui va absolument pas se laisser faire malgré toutes ses déficiences. C'est-à-dire que autant l'armée française s'est pas laissée faire, mais elle avait la déficience des déficiences, qui est la déficience politique, et non pas militaire seulement. Et c'est là que moi j'ai un débat permanent avec mes confrères. C'est-à-dire que oui, l'armée rouge, elle est dans le même état que l'armée française en 1940. Elle est déficiente à mais des degrés, mais multiples, comme l'armée française. Les problèmes de radio dans les chars, les problèmes donc bien évidemment, de qualité des officiers après les grandes purges de Staline, de prise d'initiative des commandants, etc., de politisation qui gêne cette prise d'initiative pour répondre aux impératifs de la guerre blindée mécanisée et sa rapidité. Mais elle n'a pas la défaillance qui, entre guillemets, sert de cerise sur le gâteau en ce qui concerne nous, Français. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de défaillance politique. L'État soviétique ne s'effondre pas, hein, contrairement à ce que pensait Hitler, parce que ça faisait partie de son plan. Il pensait que l'État soviétique répressif stalinien allait s'effondrer comme un fruit mûr suite à l'accumulation de ses contradictions et notamment de ses. De toute cette vague de répression qui était menée contre différents éléments de la société depuis plusieurs années par Staline, les problèmes de famine, etc. Mais non, l'État soviétique, en apparence aussi faible, voire peut-être plus faible que l'État, que la Troisième République, ne s'est pas effondré. Donc, quels que soient les travers avérés, reconnus au sein de l'armée rouge, puisque l'État tient, l'armée rouge tiendra. C'est ça qui fait que venir nous dire oui, mais l'armée française souffrait de ci, souffrait de ça, c'est vrai, sauf que l'armée rouge, l'armée française, pardon, son plus gros déficit, c'est de ne pas avoir d'État qui la soutient, qui soutient son action, même avec des moyens moins importants, même avec des déficiences doctrinales importantes. Si le gouvernement français avait fait son devoir, et avait suivi ce que lui proposait notamment de faire le général de Gaulle quand il arrive au gouvernement le 2 juin 1940, eh bien l'armée française aurait pu poursuivre la guerre, probablement en Afrique du Nord, mais en tout cas elle aurait poursuivi la guerre. Et on n'aurait pas été dans le camp humiliant de la défaite de 40 comme on l'a été. Hein. Je vous renverrai aussi au dossier que j'ai consacré dans le numéro de Ligne de front, le numéro 103 sur cette question, vous verrez, c'est édifiant. Donc, la Blitzkrieg, ben, on voit toutes ses limites, on voit quelques-unes de ses limites en 1940, dans la campagne de France, et on voit que ça passe à ça dans plein de circonstances d'une défaite, ou en tout cas d'une, comment dire, d'un écueil suffisamment important pour enrayer cette machine fragile. Et puis, ben, en 1941, face à un État qui est déterminé, même avec des moyens qui sont en tension, va être capable de leur tenir tête. Et ensuite, d'inverser peu à peu la vapeur, comme on l'a expliqué, par rapport à enfin la mise en application de la doctrine de l'art opératif et des moyens industriels nécessaires à l'armée rouge pour mettre en œuvre correctement cet art opératif. Voilà. Donc, la pensée militaire allemande de 1939-1940, elle n'est pas supérieure aux autres, loin de là. Elle a juste bénéficié en 1939, bah, bien sûr, hein, contre l'armée polonaise qui est attaquée, qui résiste très bien, parce que c'est pareil. Hein, on a, depuis que Freiser a fait une analyse critique de la campagne de France, on a aussi eu des historiens qui ont fait une analyse critique de la campagne de Pologne. On voit que déjà, les travers de l'application de cette guerre éclair en Pologne sont présents. C'est-à-dire que les fragilités du concept sont déjà à l'œuvre. Et heureusement, entre guillemets, que l'armée rouge attaque la Pologne dans le dos le 17 septembre, parce que la lutte aurait pu durer un peu plus longtemps.
Hein, et les Allemands auraient pu subir des pertes un peu plus importantes, etc. Et ça aurait entraîné un recul encore plus, enfin, des délais supplémentaires dans la mise en action des opérations contre les alliés occidentaux. Et donc, en France, voilà, je vous renvoie au dossier que j'ai rédigé, à Freezer, etc., pour montrer que, OK, il y a cette victoire, parce qu'il y a cette supériorité tactique au sein d'un certain nombre de divisions qui ont vraiment été choyées par le pouvoir, hein, puisque ça va s'adjoindre un autre élément qu'on oublie toujours au début dans la Blitzkrieg, hein, c'est qu'il y a aussi l'aspect parachutiste qui sont largués en avant des points de blindés pour prendre des objectifs stratégiques comme Eben Emael, etc., comme certains ponts sur le canal d'Albert et autres, ou aux Pays-Bas. Et donc tout ça, tous ces éléments permettent à ces divisions de faire quelque chose, mais il s'en faut de peu pour que tout s'effondre, pour quelques petits cailloux qu'auraient pu être placés, parce que les opportunités étaient là par les Alliés, notamment par les Français. Et que c'est par manque, non pas de qualité des combattants, non pas des officiers simplement sur le terrain, mais c'est tout simplement parce que politiquement, ce pays n'était plus dirigé comme il le fallait pour affronter une tornade comme celle-là, ce qui ne sera pas le cas de l'Union soviétique un an plus tard. Mais donc parler de supériorité militaire allemande, sur le plan tactique, oui, parce que les Allemands vont corriger ces erreurs dans les années qui vont suivre. Jusqu'en 1944 et même 45, si on prend certains combats dont je parle dans le livre sur le 3e Panzerkorps, c'est-à-dire que là, ils vont avoir une maîtrise non plus simplement du triptyque artillerie, avion, char, mais aussi au niveau du sol, des unités interarmes, les fameuses Kampfgruppen, qui vont permettre donc rapidement de créer des groupes de combat autonomes à partir de différentes unités pour répondre à une situation. Donc il va y avoir une grande flexibilité tactique qui est à la base des groupes tactiques interarmes de l'armée française aujourd'hui, hein. C'est toujours ça qui sert de modèle et c'est normal parce que c'est vraiment là que se trouvait l'expertise, pardon, allemande, mais certainement pas ailleurs. Et ce qui est très grave, et ça on y consacrera une émission, voyez, ça fera encore une autre longue émission, c'est pourquoi on a presque vénéré cet héri enfin, c'est, oui, l'héritage de cette Blitzkrieg dans les années qui vont de 1945 à nos jours, pourquoi ça a été l'objet de cette espèce de culte en Occident. Hein, de mise en avant des grands officiers, Guderian, Rommel, etc. Et pourquoi on en a fait un modèle alors que ça n'a d'importance que sur le plan tactique et non pas sur le plan d'une supériorité militaire allemande par rapport à l'ensemble de ses voisins et notamment à la fois de la France d'un côté mais aussi bien évidemment vis-à-vis de l'armée rouge. Si quelqu'un en 1945 a une doctrine qui est supérieure aux autres, c'est pas l'armée allemande, c'est pas l'armée américaine, hein, c'est l'armée soviétique, grâce à Svechine, grâce à ses disciples, et grâce à l'application par certains de ses disciples comme Joukov, Koniev et d'autres, Rokossovski, hein, pour pas que mon ami Laurent Ninger m'en veuille, voilà, on a vu cette doctrine non seulement donc s'épanouir d'un point de vue intellectuel dans les années 20 et 30, et on l'a vu sur le terrain en pleine application à partir de juin 1944 jusqu'à août 1945 avec les opérations en Extrême-Orient contre la Mandchourie occupée par les Japonais. Voilà. Donc c'est cette articulation-là qu'il faut avoir en tête aujourd'hui quand vous pensez et réfléchissez autour de l'art de la guerre, hein. Les Allemands, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont une vraie maîtrise de cette nouveauté tactique qu'est le char, l'infanterie portée, l'aviation intégrée pour appuyer les unités au sol et l'artillerie qui, elle aussi, maintenant est montée sur chenille ou sur roue pour pouvoir suivre les points de blindés mécanisés. Elle a une véritable expertise dans ce domaine parce que quand on regarde les combats en 1944 dans les Ardennes avec des unités qui sont moins bien formées, avec des recrues qui sont sorties de la Kriegsmarine ou de la Luftwaffe,
On est avec une capacité d'infliger tactiquement des défaites très importantes aux unités américaines ou britanniques, et encore dans certains cas aux unités soviétiques. Mais ça ne dépasse pas le cadre tactique, c'est-à-dire que vous allez gagner telle ou telle bataille pendant quelques jours, peut-être une autre le jour d'après, hein, c'est ce que nous montre l'offensive des Ardennes, pendant 7 jours, il y a une accumulation de succès tactique, mais ça ne dépasse pas ce cadre-là. À la fin, c'est un échec allemand, ce sera aussi un échec pour les Alliés dans leur contre-attaque, mais en tout cas, l'offensive allemande des Ardennes, malgré des succès tactiques indéniables réalisés par des troupes de moindre qualité et dans des circonstances climatiques très lourdes, très, très difficiles par rapport à mai-juin 1940, eh bien, à la fin, il n'y a pas de succès. Voilà, il y a, ah oui, tel village, il y a eu tel combat et tout, très bien. Mais à la fin, c'est un échec. Et donc, les combats n'ont pas servi à la réussite de la stratégie globale. Voilà. Donc, c'est ça la grande différence entre la Blitzkrieg. Il y a certains historiens qui ont écrit des ouvrages hein, qui disent que c'est carrément un mythe. Hein. Ça n'a même jamais existé. Je ne vais pas aussi loin qu'eux, mais enfin, il faut quand même les lire, je les mettrai aussi en lien. Donc voilà ce qu'on peut dire en comparant les deux, et pour que vous ayez une idée un peu plus précise, et que vous soyez pas, enfin, que vous sortiez de cette fascination que je trouve complètement folle à l'égard de ce qui est une pensée somme toute intéressante, hein, qui mérite qu'on se penche sur elle, mais qui ne mérite pas la place de supériorité qu'on lui a donnée depuis 1900. Même depuis 1939-40, hein, puisque les journalistes anglo-saxons, en utilisant ce terme, en le mettant en avant dans la presse, etc., c'est eux qui, les premiers, lui ont fait la publicité qu'elle ne méritait pas, finalement. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce long exposé malgré mon état. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission un peu plus courte, comme d'habitude. Hein. On va essayer de faire. Une longue, une courte, une longue, une courte. Hein. Je ne sais pas en morse à la fin ce que ça fera. Ou là, j'aurai le numéro de le numéro 106, 105, pardon, de ligne de front. Et donc, on discutera du dossier central parce que vous verrez, ça va dans la continuité. C'est sur de cette émission, c'est le concept d'Aufschlagstaktik, hein, qui est le pilier central de la pensée militaire allemande dans l'art du commandement. Hein, comment on commande les troupes, hein, et donc ce concept est central pour comprendre ça, et donc éclaire le propos qu'on vient d'avoir aujourd'hui autour de la Blitzkrieg. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon visionnage, un très bon week-end comme d'habitude, et puis je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une émission un petit peu plus courte, mais qui restera quand même, je pense, assez dense. Pour vous présenter donc cette notion, cette autre notion importante de la pensée militaire allemande. Voilà, je vous remercie beaucoup. Vous n'oubliez pas, vous partagez, vous abonnez, le pouce bleu, et puis ceux qui veulent, vous me soutenez via PayPal. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!